Bonjour et bienvenue, il est 14h31 et nous allons commencer ce webinaire. Alors, ce webinaire s'intitule « Pourquoi le cadre des objectifs de développement durable est-il aussi peu utilisé en France ?» Évidemment, c'est un titre un peu provocant et on va rappeler des éléments de contexte. Les Nations Unies se sont données en septembre 2015, maintenant juste avant l'accord de Paris pour le climat, un cadre contenant 17 ODD pour que le développement puisse s'accompagner de réduction des inégalités, de lutte contre la pauvreté, d'amélioration de l'accès aux soins, à la santé, à l'éducation aussi, et aussi pour que ce développement soit plus durable, c'est-à-dire qu'il se fasse dans un lien plus respectueux de la biodiversité et en prenant en compte la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, on parle d'humanité, on parle de protection de la planète et on parle de prospérité. Et en ce moment, une bonne partie de la planète se débat encore avec la crise de la Covid. Il nous apparaît que, comme une évidence, que les ODD sont un chemin de résilience. On va avoir l'occasion de développer ce point. Les Nations Unies s'étaient donné également une échéance. Agenda 2030, c'est dans le titre de cette initiative qui se veut transformative. Et on fera le point dès le début de ce webinaire sur l'état d'application de ces ODD. Alors, si nous vous avons réunis aujourd'hui, c'est pour parler de la façon dont les acteurs français se saisissent ou pas, donc de cet agenda pour le développement durable. Évidemment, dans le titre, vous voyez qu'il y a déjà une petite part de déception parce que le constat n'est pas forcément encore très brillant. On est à un tiers du chemin, 5 ans, hein, et la France a une feuille de route nationale pour la mise en œuvre des ODD qui a été adoptée il y a 1 an, et nous verrons si elle est opérante. Est-ce que cet agenda 2030 peut nous amener à mettre en place des politiques différentes? Comment on peut leur donner de la cohérence? Est-ce qu'on peut éviter de traiter un par un ces différents objectifs? Est-ce qu'on peut éviter de les traiter en silos? Comment les acteurs s'en saisissent-ils? Comment les ONG s'en saisissent-elles? Les acteurs sociaux que sont les syndicats, les autorités publiques, est-ce qu'elles peuvent être utiles à l'échelle locale? Est-ce qu'il faudrait en passer par un travail législatif ou même constitutionnel pour vraiment faire avancer les choses? Et puis, est-ce que le nerf de la guerre, ce n'est pas l'argent? Comment les investisseurs regardent-ils cet objet onusien? Comment peut-il les amener à changer leurs pratiques? On va essayer de se sortir de ce webinaire autant que possible avec des pistes d'action. Je vous présente nos invités. Parleront dans l'ordre Jérôme Baloge, le maire de Niort, qui est également président de la communauté d'Aglo et qui est très engagé sur les ODD. Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre, qui est maintenant directrice France de l'ONG One. Et puis Pierre-Alain Raffan, député La République En Marche, qui est élu dans l'Essonne et qui est très engagé dans les ODD. Et Philippe Zawati, le directeur général de Mirova, la banque d'investissement durable de Natixis, qui est le président également, si je ne me trompe pas, de Finance for Tomorrow, une communauté d'acteurs engagés pour les ODD. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite par un constat. Et ce constat, on va le dresser avec Damien Barchiche. Damien Barchiche travaille avec moi à l'IDRI, c'est le directeur du programme Gouvernance. Et je vais donner tout de suite la parole à Damien pour qu'on commence par les faits. Où en est-on, Damien, de l'utilisation des ODD? Bonjour, bonjour à tous. Merci, Brigitte. Donc, je vais partager ma présentation. Voilà. Donc, pourquoi le cadre des objectifs de développement durable est-il aussi peu utilisé? Déjà, revenons un petit peu à l'essentiel et de quoi parlons-nous. Voilà. Donc, intitulé en fait « Transformer notre monde », le programme de développement durable à l'horizon 2030, ce programme, on a coutume d'appeler Agenda 2030, et c'est d'emblée présenté comme un plan pour l'humanité, la planète et la prospérité. Alors, on l'a dit, il est censé être intégré, indissociable, autour de 17 objectifs et 169 cibles qui sont censés en fait concilier les trois dimensions du développement durable, économique, social et environnemental. Je te coupe un tout petit instant, Damien, parce qu'il y a un petit problème de son et je voudrais vérifier si tu parles dans un micro-baladeur. Est-ce que tu parles par hasard dans un... Là, voilà. Tu m'entends bien. Voilà, tu vas le tenir, s'il te plaît, oui. Devant ta bouche, ça sera meilleur. Merci. Donc, l'ambition du texte a été dès l'origine très claire. Et elle concerne l'ensemble des acteurs des pays et ou des parties prenantes. Ainsi, il était clairement mentionné dans le préambule que tous les pays, toutes les parties prenantes agiront de concert pour mettre en œuvre ce plan d'action.
Et nous sommes déterminés à prendre les mesures audacieuses et porteuses de transformation qui s'imposent d'urgence pour engager le monde sur une voie durable marquée par la résilience. Et nous nous engageons à ne laisser personne de côté dans cette quête collective. Alors, j'ai oublié de dire que l'analyse qu'on va essayer de faire et nous, la lecture qu'on porte à l'IDRI de cet agenda-là se base sur plusieurs années de travaux qu'on a menés sur les différents acteurs et notamment avec ma collègue Elisabeth Rigueux. Et un des aspects qui nous semble fondamental, et ce sont de s'attacher en fait aux promesses et aux grands principes de cet agenda qui ne sont pas, cet agenda qui n'est pas composé uniquement de 17 objectifs, mais qui est un socle commun, un tout. Et donc, le premier des principes sur lequel s'appuie cet agenda, c'est celui d'un agenda en fait, intégré, holistique. Le texte dit clairement « Atteindre le but que nous nous sommes donné ne sera possible que si les idées sont intimement liées et leur mise en œuvre intégrée. » Ce caractère indivisible des ODD est fondamental, il est même clé. Il est souvent décrit comme l'innovation la plus visible. Et il constitue en fait une véritable opportunité de créer plus de synergies entre les politiques sociales, environnementales, en renforçant ainsi le poids de ces deux dimensions de la durabilité face à la seule dimension économique. Et ça, c'est un aspect qui nous semble déterminant. Pourtant, dans la pratique, et ça, c'est un constat qu'on a fait en regardant la pratique des nombreux acteurs, lorsqu'on se focalise trop uniquement sur les ODD seuls, on court souvent le risque de tomber dans une sorte de cherry picking ou de maintenir finalement une approche en silo qui était pourtant censée être évitée avec l'adoption de cet agenda. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, que les acteurs, quels qu'ils soient, doivent porter une vraie réflexion, une vraie analyse sur la façon de maximiser les impacts de leurs actions sur l'ensemble des ODD, mais également de gérer les potentiels impacts négatifs et les frictions entre ODD. Le deuxième fondement de cet agenda, c'était que c'est un agenda pour tous. C'était l'une des nouveautés, d'ailleurs, par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement qui les avait précédés, c'est que cet agenda s'applique à l'ensemble des pays, du Nord comme du Sud, développés, et ainsi qu'aux pays les moins avancés. Il laisse une marge de manœuvre aux pays. Il y a une approche bottom-up, finalement, par le bas, qui a été privilégiée pour donner une certaine flexibilité aux pays pour définir leurs approches dans la mise en œuvre et qui, pour fonctionner, ne doit pas être lu comme une invitation à juste interpréter de façon très simple le texte de l'agenda et les 17 ODD, mais en se contentant de le rendre compatible avec les pratiques existantes sans les remettre en cause. Et au contraire, l'agenda 2030 incite chaque pays à dessiner sa propre trajectoire de transformation. Et ça, c'est un aspect fondamental qui, à mon avis, n'est pas assez mis en avant. C'est l'un des messages forts, d'ailleurs, de l'agenda. C'est un agenda de tous, mais qui, surtout, ne doit laisser personne de côté. Ça a été un des axes forts de la discussion. Et les États membres se sont engagés à ne laisser personne de côté dans cette formidable quête collective, considérant que la dignité de la personne humaine est fondamentale. Nous souhaitons que ces objectifs et cibles se concrétisent au profit de toutes les nations, tous les peuples et toutes les composantes de la société, les plus défavorisés seront les premiers que nous nous efforcerons d'aider. Donc, il y a un ciblage très clair sur les plus vulnérables, qu'ils soient pays, populations ou individus. Le dernier point, c'est la question de, finalement, est-ce que cet agenda est un agenda transformateur? Alors oui, on peut dire que l'agenda est un agenda transformateur, 2030 est un agenda transformateur. Déjà, si on respecte véritablement les deux premiers principes qu'on a énoncés, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on prend les ODD un par un, on n'est pas dans une approche transformatrice. C'est qu'en fait, c'est d'essayer d'avancer dans à la fois et en même temps sur l'ensemble des objectifs qui nous obligent finalement à apporter un projet transformateur et à questionner nos modes de développement, nos modes d'intervention et les politiques publiques que nous menons. Alors, où en est-on? Et qui avance. L'adoption, aujourd'hui, on voit que 4 ans après, enfin, l'agenda 2030 est quand même devenu une référence par rapport à laquelle les organisations internationales, les pays et de plus en plus d'entreprises se positionnent. On y reviendra certainement. Des
les acteurs s'approprient cet agenda pour communiquer, seulement pour communiquer, on peut le regretter, mais aussi pour faire différemment. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est un outil qui permet d'améliorer des politiques publiques et d'agir différemment? C'est justement toute la question, mais on voit quand même que si c'est encore loin d'être généralisé, il y a de nombreux exemples d'usage concret des ODD de l'agenda 2030 dans les processus politiques qui existent et dans plusieurs pays et qui permettent notamment, par exemple, d'utiliser l'agenda 2030 pour, comme outil d'évaluation des budgets nationaux. À titre d'exemple, on a la Finlande qui est un des exemples les plus complets d'intégration des ODD dans les processus budgétaires. Le caractère universel des ODD et l'impératif de transformation qu'il impose ont permis finalement à la Finlande d'essayer de développer de nouveaux mécanismes, y compris dans le domaine du processus budgétaire. Et parmi les mesures prises, par exemple, le ministère des Finances n'a pas voulu s'intéresser uniquement aux lignes de dépenses, mais aussi aux taxes et aux subventions dommageables à l'environnement ou qui ne peuvent soutenir ou non les ODD. Une autre piste intéressante qu'on voit émerger dans un certain nombre de pays, plus d'une vingtaine de pays, ce sont les cours des comptes qui commencent à s'intéresser à l'examen de la mise en œuvre des ODD, ce qui pourrait ainsi contribuer à renforcer la prise en compte des ODD dans l'agenda politique. Et à ce titre, on voit que l'Allemagne se distingue notamment par un cadre de suivi particulièrement robuste, qui inclut des rapports de progrès réguliers, et une revue indépendante par des experts internationaux sur ce sujet de l'agenda 2030. Ce panel d'experts a le mandat de formuler des recommandations auxquelles le gouvernement s'oblige à répondre. Et la Cour des comptes allemande s'est aussi saisie des ODD pour examiner les progrès qui restent à accomplir. Il y a aussi une dimension étude d'impact sur les lois autour des 17 ODD. Au niveau européen, les choses aussi commencent à avancer. La Commission a intégré les ODD dans le semestre européen qui sert à la coordination des politiques économiques entre États membres. On peut aussi noter que le commissaire européen que vous voyez ici, chargé de l'économie, Paolo Gentiloni, est chargé de la coordination pour la mise en œuvre des ODD. Il a rappelé d'ailleurs la semaine dernière que la Commission est parfaitement consciente de la nécessité de mettre en œuvre ces objectifs de façon intégrale. Et c'est dans cette logique que chaque commissaire a eu la responsabilité d'intégrer les ODD dans son propre domaine. Et ça a été inscrit par la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, dans la lettre de mission de chacun des commissaires. De nombreux autres exemples intéressants existent. Par exemple, en Espagne, où le gouvernement actuel de Pedro Sanchez fait de la mise en œuvre de l'agenda 2030 un axe majeur de son discours politique, et la création d'un poste de vice-président du gouvernement en charge de l'agenda 2030, Pablo Iglesias, est là pour le rappeler. De nombreuses aussi, on y reviendra avec la mobilisation de New York, mais de nombreuses grandes villes se mobilisent également pour intégrer l'agenda 2030 dans leur politique. On voit par exemple ici l'exemple de Los Angeles qui a même fait une revue locale volontaire qu'elle a présentée à New York sur la mise en œuvre des ODD au sein de la commune de Los Angeles. Alors, et la France dans tout ça ? Où est-ce qu'on en est ? Alors, l'idée n'est pas de dire que rien n'a été fait jusque-là en matière d'usage et d'appropriation de l'agenda 2030 en France, évidemment. Il faut d'ailleurs souligner qu'un grand nombre d'acteurs et d'organisations travaillent et se mobilisent pour une meilleure appropriation de cet agenda. On peut citer l'association Cadet, le comité 21, Focus 2030, ou la fondation EDIX. Vous voyez les illustrations derrière moi. Il y a évidemment aussi des initiatives locales, et on y reviendra avec la mairie de New York. Cependant, les ODD ne sont toujours pas en fait rentrés dans le débat politique français. C'est à la fois à cause d'un déficit de portage politique du sujet au plus haut niveau de l'État qu'un déficit de mobilisation d'autres acteurs sur ce sujet. Un exemple assez frappant est le récent plan de sortie de crise, par exemple, qui a été publié en mai par un collectif d'ONG, d'associations et de syndicats. Ce plan propose 34 mesures à la fois sur le plan économique, social et environnemental, mais ne fait aucune référence ni à l'agenda 2030, ni aux ODD. Alors, comment expliquer cette situation côté français ? Le premier écueil, il nous semble qu'en fait, le cas français a fait des ODD un processus parallèle qui a ajouté une couche supplémentaire au dispositif existant. La France n'était pas dépourvue de dispositifs visant à
sur la base d'indicateurs économiques, sociaux, environnementaux, à améliorer l'évaluation et la cohérence des politiques publiques. Et du coup, ça a été un petit peu rajouté par-dessus. Or, il faudrait vraiment réfléchir sur dans quelle mesure les ODD pourraient être l'occasion de faire converger ces différents objectifs, les stratégies existantes, pour assurer un meilleur suivi et une évaluation des engagements qui sont souvent mal tenus. Et d'ailleurs, on peut se demander si la feuille de route ODD adoptée en septembre 2009 pourrait vraiment jouer ce rôle, parce qu'un des soucis qu'on a et qu'on a observé aussi dans beaucoup des pays où finalement qui sont en retard dans cette appropriation, c'est que en fait, le processus de mise en œuvre des ODD est souvent porté principalement au niveau administratif, c'est-à-dire au sein d'un ministère qui n'a pas de réel pouvoir de coordination sur l'ensemble de l'appareil gouvernemental, alors qu'un agenda aussi complexe que les ODD a besoin d'une impulsion politique au plus haut niveau pour prendre du sens. Alors, l'élaboration de la feuille de route a certes eu un véritable mérite de mobiliser une grande diversité d'acteurs, nous y avons d'ailleurs contribué, tels que des parlementaires, des ONG, des entreprises ou encore des collectivités territoriales, et les différents ministères ont aussi été associés. Mais il nous manque aujourd'hui un diagnostic plus stratégique, plus politique, sous la forme d'un état des lieux, des pratiques qu'on devrait vraiment remettre en cause et les changements qui sont nécessaires en France pour répondre à ce défi des ODD et notamment à leur transversalité, sans se contenter de réafficher finalement des plans et des mesures déjà existants. Alors des pistes évidemment d'amélioration existent et on va certainement y revenir. Lors des discussions sur la loi développement, au CESE, le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoine s'est clairement exprimé pour une meilleure prise en compte des ODD dans le budget. Je le cite, il dit « On gagnerait beaucoup à ce que les nomenclatures budgétaires de l'État lui-même soient revues en prenant en compte les grilles de lecture et les nomenclatures des ODD. » Et je souhaitais aussi rappeler qu'en 2018, dans les conclusions du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, le gouvernement avait formellement annoncé que la France intégrerait, quand cela est pertinent, les ODD dans la construction de la loi, en proposant une analyse d'impact sur l'atteinte des ODD. Cette décision n'a pas encore à ce stade été mise en œuvre, et même si plusieurs groupes parlementaires, et on y reviendra certainement, ont fait récemment des propositions à ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci Damien. Désolé pour les petits problèmes de micro qu'on va essayer de régler si Damien doit prendre la parole de nouveau dans ce webinaire. Merci beaucoup pour ce constat donc sur ce que sont les ODD et la façon dont on s'en saisit actuellement en France. Je vais passer la parole maintenant à une collectivité, au maire de Niort, Jérôme Baloge, donc, qui dirige une collectivité territoriale, également président actuellement de l'agglomération, 125 000 habitants à peu près dans l'agglo, qui a pris ce sujet à bras-le-corps. Damien avait cité Los Angeles, des États bien sûr, mais Los Angeles comme une grande ville qui s'en est saisie. Donc on va passer de Los Angeles au département des Deux-Sèvres, et on peut dire, je pense, Jérôme Baloge, que vous êtes une ville pionnière en France sur les ODD, vous y avez travaillé au moins depuis le début de l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord, c'est quand même un programme ambitieux, pourquoi vous avez décidé de vous mettre aux ODD? Oui, bien sûr, bonjour d'abord à tout le monde, merci pour l'invitation. Heureux de se retrouver associé à Los Angeles, même si on n'a pas l'ambition de rivaliser, mais c'est dire à quel point le développement durable peut intéresser différentes échelles de collectivités. On s'y intéresse en effet depuis le départ, depuis le moment où le ministère de la Transition écologique a lancé le mouvement, hein, en 2017. Donc on a lancé nous-mêmes un certain nombre d'études depuis cette date pour aboutir, oui, les premiers, sans forcément être dans une course absolue, mais parce qu'on avait envie de le faire. Et on se retrouve heureux d'être dans cette position-là, même si on aimerait être plus nombreux, c'est certain, on y reviendra certainement. Le fait est, c'est que la ville de Niort, avant moi, et dans une succession de maires et de majorités, a toujours eu un engagement environnemental et social fort. On est une terre de mutualité, de mutualisme, on a des aspirations sociétales qui en découlent, qui sont souvent très engagées, et donc il y a aussi un substrat territorial qui explique peut-être une évidence à y aller. Ensuite, je ne vous cacherai pas non plus que l'agenda 21 qui a précédé l'agenda 2030 avait un côté parfois difficile pour les élus. On avait une forme
d'inventaire à l'après-vert, parfois sympathique, mal compris. Et là, avec l'agenda 2030, on passe dans une deuxième génération du développement durable. Quelque chose de plus objectivé, quelque chose qui demande aussi beaucoup plus d'efforts. Mais c'est en cela que ça nous a aussi beaucoup intéressés. À tel point qu'à travers différentes discussions, notamment avec le comité 21, il m'a semblé clair qu'il y avait de quoi donner une cohérence globale à l'action publique, en termes d'évaluation, bien sûr, mais également en termes d'affichage, de bien montrer que nous poursuivions des objectifs qui étaient des objectifs de développement durable et qu'il fallait, en quelque sorte, ça nous permettait de le justifier, de nous comparer, d'apporter des réponses, de la visibilité à nos concitoyens. Une forme de mise en avant de nos prises de responsabilité vis-à-vis de la collectivité, vis-à-vis des habitants, et en même temps un ordre de comparaison avec les autres collectivités. J'ai trouvé ça très clairement important, et c'est la raison pour laquelle, d'une démarche qui a longtemps été, c'est vrai, peut-être comme au niveau gouvernemental, assez administrative dans ses débuts, on a souhaité, en fin de mandat et surtout avec la nouvelle mandature, pleinement engager l'action publique de la ville de Niort et demain de l'agglomération autour de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Aujourd'hui, toute l'action publique commence à se décliner en fonction de ces 17 objectifs que nous, on a recentrés autour de 8 défis à résoudre, mais on retrouve 140 actions qui regroupent l'ensemble de ces 17 ODD et qui articulent l'ensemble ou la quasi-totalité de l'action publique niortaise. Alors, pour une collectivité, en plus, c'est quelque chose d'assez évident parce que nous faisons du social, nous faisons du scolaire, de la santé, de l'environnement, bien sûr, mais c'est un vrai moyen de responsabilisation sociale de la collectivité, de mise en confiance, à mon avis, aussi vis-à-vis de nos administrés, de montrer à voir, de donner de la cohérence, de la lisibilité, de ne pas être en quelque sorte dans une forme de blabla, mais d'essayer d'afficher quelque chose d'éprouvé par d'autres que nous, et aussi de nous challenger en répondant à ces défis, à un horizon qui en plus n'est pas un horizon d'une échéance électorale, a priori 2030, en tout cas pour un maire, et qui montre bien qu'il y a un enjeu plus important que nos seuls engagements électoraux, mais qui est un engagement territorial. Donc, je voudrais vous demander, oui, parce que ça m'intéresserait de savoir de quel point vous êtes parti, si vous savez de quel point vous êtes parti dans votre collectivité, et comment vous avez engagé la démarche avec vos administrés, et quels ont été les acteurs que vous avez réunis autour de vous pour engager cette démarche. Alors, on avait déjà différents cercles partenariaux, un copart autour des enjeux de mobilité, de déplacement, et autour du comité 21 local, on avait une démarche de partage autour de la réalisation de cet agenda 21. Donc, il y avait déjà, j'ai dit, une vraie continuité, une vraie volonté qui s'était exprimée. L'agenda 2030, il a été une évidence qu'on a évidemment partagée. Ce n'a pas été qu'un sujet d'élu ou d'administration préalablement. Ça a été un sujet qui a réuni en effet beaucoup de partenaires à travers des ateliers. Il y a eu, je crois, autour de 150 personnes qui ont été associées à différents ateliers pour construire aussi, hein, qui n'étaient pas qu'élus, qui étaient investis dans la cité, pour construire, participer à la construction de cette feuille de route. Et puis évidemment, il y a eu aussi la participation des élus dans ce mouvement-là et le vote de la délibération autour de ces ODD, donc un choix politique volontaire affirmé par le conseil municipal. Donc, c'est comme ça que c'est construit progressivement la démarche avec l'association, mais aussi avec un vrai diagnostic qui, évidemment, a été fait. Ce n'est pas, tout ça ne se fait pas au doigt mouillé. Il a fallu voir comment on pouvait adapter ces 17 ODD qui peuvent sembler très généreux, mais aussi très généralistes, ou à la réalité niortaise, à nos besoins. C'est vrai qu'un sujet comme la lutte contre la faim, on le décline plutôt sur des objectifs d'alimentation, de bio, de circuit court, etc. Donc, il y a tout ce travail qui est indispensable aussi à faire de diagnostic et de transcription, d'adaptation au milieu qui est le nôtre et qui nous concerne, tout en étant fidèle à la vision évidemment très mondiale des ODD. Merci beaucoup pour ce récit de la façon dont Niort s'est mis en route sur le chemin des ODD. On parlera un petit peu plus longuement avec vous tout à l'heure. Je vais me tourner maintenant vers Madame Vallaud-Belkacem.
Bonjour, merci de votre présence. Ancienne ministre, vous avez été bien sûr en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Après, vous êtes passé un petit moment dans le secteur privé. Et depuis quelques mois maintenant, 4 mois si je ne me trompe pas, vous êtes à la tête de, pour la France de l'ONG One, qui lutte beaucoup, dont l'un des buts est de lutter contre la pauvreté. Et donc, on vous a invité parce qu'il y a quelques mois, un an à peu près, vous avez publié une tribune en faveur des ODD qu'on a lue sur LinkedIn et où vous appeliez à ce que les ODD soient notre grammaire commune. Or, justement, quand vous avez, vous, écrit cette tribune, vous étiez dans le secteur privé, vous n'étiez pas encore à la tête de cette ONG et donc pourtant vous aviez déjà un engagement en faveur des ODD. Pourquoi ? Oui, en fait, cette tribune m'avait été inspirée par une espèce de choc rétinien, j'ai envie de l'appeler comme ça, qu'avait provoqué en moi le fait de me retrouver, c'était en septembre dernier, en septembre 2019, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Donc, il y avait un certain nombre d'événements qui étaient organisés là-bas. Et parmi ces événements, en même temps, d'ailleurs, c'était parallèle à la prise de parole de Greta Thunberg à l'Assemblée en elle-même, il y avait un événement organisé par la Fondation Bill et Melinda Gates qui réunissait en quelque sorte des activistes de tout pays et en particulier des pays du Sud, des pays les plus en difficulté sur les sujets dont je vais parler dans un instant, et que la Fondation se trouve soutenir tout au long de l'année. Donc, on avait là aussi bien des gens qui se battent au long cours contre la déforestation, pour l'assainissement de l'eau, contre les violences faites aux femmes, pour l'égalité d'accès à la santé, etc., à travers le monde. Et donc, dans cet événement auquel je participais, lorsque j'ai ouvert la porte de cet amphithéâtre qui a accueilli quelques 400 personnes venues du monde entier, j'ai eu un choc visuel parce que, d'abord, je me suis rendu compte à quel point il s'agissait d'une salle jeune. C'était essentiellement des gens entre 16 et 25 ans qui étaient dans cette salle. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ça à l'esprit au moment où on avait tous ces débats autour de Greta Thunberg. Est-ce qu'elle est vraiment suffisamment âgée pour comprendre ce qu'elle fait, etc. Vous vous souvenez, hein, tous ces détracteurs de Greta. Et en fait, de se rendre compte que l'activisme à l'échelle du monde, c'est plutôt à Greta qu'il ressemble qu'à autre chose. Et puis surtout, une fois qu'on les écoutait, d'ailleurs, cette salle, non seulement elle était jeune, mais elle était aussi très féminisée. Mais surtout, une fois qu'on les écoutait prendre la parole, et j'ai passé la journée à cela, en fait, c'était fascinant de voir à quel point ils se réclamaient des ODD, des objectifs du développement durable. Ils se raccrochaient à ces objectifs du développement durable, chacun dans son domaine d'action, chacun dans son activisme qui lui faisait prendre des risques et courir des risques, y compris pour sa vie, hein, parce qu'il y a des pays où lutter contre la déforestation peuvent conduire à la mort. Chacun de ces activistes se réclamait des ODD comme si finalement c'est dans ces objectifs du développement durable, ce socle de valeurs communes au monde que des décideurs internationaux avaient réussi à poser un jour, qu'ils trouvaient la force de leur action et puis la légitimité en quelque sorte de leur action. Donc ça m'a beaucoup touchée, ça m'a même pris au cœur parce que je me suis rendu compte de l'importance que ça revêtait pour eux que ces ODD. C'était pas la première fois que je ressentais ça. Quelques temps plus tôt, il se trouve que dans mes différentes casquettes, je suis assez investie sur la question des réfugiés. Quelques temps plus tôt, donc, j'étais dans un camp de réfugiés au Kenya, le plus grand camp de réfugiés du monde qui s'appelle Kakuma. Et dans ce camp de réfugiés où je passais quelques jours, un jour, je vais voir une école, parce qu'il y a quelques écoles dans ce camp, et je suis accueillie par des élèves qui, en guise de bienvenue, décident d'entonner une chanson de leur cru qu'elles avaient composée elles-mêmes. C'était une école de filles. Et cette chanson, vous savez quoi ? Elle déclinait les objectifs du développement durable. 1-1. Les 17. Et ça m'a tout autant fascinée. Et en fait, ces deux exemples, ça peut paraître anecdotique, mais c'est pour vous dire à quel point, dans les pays dans lesquels les choses vont mal, dans les pays dans lesquels on ne peut pas se raccrocher à un droit protecteur, dans les pays dans lesquels règne le désordre, la corruption, la violence à l'égard des activistes, etc., on met, quand on est un activiste ou quand on est société civile, on met tous ses espoirs dans la norme internationale. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important de le
considérer, pour ensuite regarder en miroir, en quelque sorte, la façon dont, et Damien Barchiche l'a dit, les ODD sont en revanche peu connus au Nord, dans les populations, dans la société civile, peu appropriés par les responsables politiques, c'est vrai. Donc, vous l'avez dit, Brigitte, avant de rejoindre One, j'étais donc dans le secteur privé, plus exactement chez Ipsos, dans une entreprise qui fait des enquêtes d'opinion à l'échelle mondiale. Et donc, quand j'avais eu cette prise de conscience en septembre dernier, je m'étais dit, on va lancer une étude pour voir un petit peu quelle est la connaissance, justement, des citoyens de ces objectifs du développement durable. On avait lancé une étude de laquelle il ressortait que 44% des Français ne savaient pas de quoi on parlait quand on leur parlait d'objectifs du développement durable. La moyenne des pays qui ressemblent à la France, c'est-à-dire des pays du Nord, ressemble à ça. Je veux dire, les Français ne sont pas particulièrement ignorants en la matière. C'est juste que, en fait, l'information est moins appropriée. En revanche, au Sud, rien à voir. Vous preniez, je suis allée rechercher les chiffres tout à l'heure, vous preniez l'Inde. Seuls 11% des citoyens indiens ne savaient pas de quoi on parlait quand on parlait d'objectifs du développement durable. Vous preniez la Turquie, seuls 8% des Turcs ne savaient pas de quoi on parlait. L'Afrique du Sud, 17% ne savaient pas de quoi on parlait. Donc, on est vraiment dans des appropriations extrêmement différentes du Nord au Sud. Et je ne veux pas être trop longue, mais ce dont je suis persuadée, moi, c'est que, en fait, on n'est pas... Et quand je dis « on », c'est collectivement, et je me mets dedans, évidemment, comme ancienne responsable politique, mais les responsables politiques actuels aussi, les médias, la société civile, on n'est pas à la hauteur des espérances de ces gens qui, dans ces pays du Sud, n'ont que ce droit international auquel se raccrocher pour que progresse le monde, si on n'est pas capable d'en convaincre, d'y sensibiliser nos propres populations pour qu'elles le portent finalement, elles les portent ces objectifs du développement durable avec la même force. Simplement, je pense que pour que ce soit porté avec la même force, il faut d'une certaine façon que les responsables politiques en particulier lui accordent la même valeur. Or, aujourd'hui, je me faisais une réflexion, je me disais, on a des responsables politiques qui passent leur temps à dire « c'est parce que l'Europe m'impose ceci ou cela, les 3%, etc., que je ne peux pas faire ceci, que je dois faire cela ». Eh bien, si demain, on avait des responsables politiques qui disaient « c'est parce que les objectifs de développement durable que nous avons tous signés m'imposent que nous atteignions l'égalité d'ici 2030 ou une éducation de qualité d'ici 2030 pour tous ou la fin de l'extrême pauvreté d'ici 2030, que je dois adopter telle mesure fiscale », que je dois adopter une taxe sur les transactions financières, eh ben, je pense que déjà porter ce discours-là, faire le lien entre les deux, donnerait plus de valeur à ces ODD aux yeux des gens. Merci beaucoup. Vous avez cité une étude qui avait été faite quand vous étiez chez Ipsos. J'en profite pour signaler qu'une autre association qui s'appelle 4D vient de lancer une enquête sur l'appropriation, la connaissance que les Français peuvent avoir des ODD. Un sondage qui a été mené du 23 au 25 juin, donc qui est tout récent et dont je n'ai pas encore les résultats. Ils viennent de nous informer qu'ils l'avaient mené avec un autre institut de sondage et donc ils devraient le dévoiler peut-être bien aujourd'hui. Donc on aura des chiffres un peu plus frais, mais néanmoins qui montreront peut-être cette méconnaissance que les Français en ont. Alors vous avez parlé des responsables politiques, vous incluant vous-même bien sûr, mais comme maintenant vous êtes donc... vous dirigez l'ONG One en France. Les ONG sont éminemment au cœur de la société civile. Et quel peut être le rôle d'une ONG ? Est-ce que vous en faites un cheval de bataille ? Est-ce que vous vous en servez ? Est-ce que vous faites référence aux ODD ? Est-ce que vous utilisez le caractère intégré des ODD ? Est-ce que vous montrez que quand on prend une mesure, il faut toujours s'interroger sur les effets qu'elle peut avoir sur les autres objectifs ? Est-ce que vous, ONG One, et puis d'ailleurs dans le paysage des ONG, vous pensez qu'on s'en sert suffisamment ? Je ne dirais pas qu'on s'en sert suffisamment en France. Encore une fois, je pense que la société civile et les ONG des pays du Sud s'en servent davantage. En revanche, peut-être que One et quelques autres ONG sont dans une situation particulière où on s'en sert bien davantage, ne serait-ce que parce que nous sommes des organisations internationales, des ONG internationales. Donc, une ONG comme la mienne, qui est installée aussi bien aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs pays d'Europe qu'en Afrique,
qui a pour vocation, comme vous le savez peut-être, Juan, de lutter contre l'extrême pauvreté, je dirais même d'en venir à éradiquer l'extrême pauvreté, et puis de lutter contre les maladies évitables. Son champ d'action, par définition, c'est les pays du Sud, et en particulier les pays les plus pauvres du monde, et en particulier l'Afrique subsaharienne. Donc oui, les ODD, nous, on s'en sert à temps plein, et c'est notamment le premier, celui qui vise à lutter contre l'extrême pauvreté, le deuxième, celui qui vise à mettre fin à la faim, et le troisième, celui qui vise à assurer l'accès à la santé pour tous, qui sont nos principaux chevaux de bataille. C'est une façon aussi d'avoir un vocabulaire et une grammaire commune, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, puisque comme on s'adresse finalement, nous on est une ONG de plaidoyer, hein. On n'est pas une ONG, elles sont tout aussi légitimes les unes que les autres, hein. Je ne fais pas de hiérarchie, mais c'est juste pour bien expliquer le paysage. Vous avez des ONG qui sont dans une démarche d'aide aux populations, de prestations, par exemple, on va distribuer des vivres, on va fournir des soins, des choses comme ça, donc de terrain, des ONG de terrain. Puis vous avez des ONG comme la nôtre qui sont des ONG de plaidoyer, c'est-à-dire que leur travail à temps plein, c'est d'élaborer des argumentaires, de voir comment on change les législations, de faire du plaidoyer au sein des institutions internationales et des grands sommets comme le G20, le G7 et d'autres, pour que des financements soient trouvés afin que nos objectifs soient atteints. Donc évidemment, pour pouvoir atteindre ces objectifs, on discute avec des dirigeants du monde entier et des institutions internationales pour lesquelles la notion d'ODD a énormément de sens. Avant de retrouver Pierre-Alain Raffan, je vous pose quand même une dernière question, encore une question. Est-ce que si les ONG aujourd'hui martelaient l'idée que les ODD doivent être la feuille de route de l'action publique en général, au-delà de la feuille de route dont s'est dotée la France, si les ONG qui font l'opinion et qui peuvent la retourner et qui peuvent transformer le monde aussi par leur action ou y participer en tout cas, s'en saisissaient, est-ce qu'elles pourraient aller au-delà et être plus actives et prendre une part plus active à cet élan pour les ODD ? Alors oui, en tout cas c'est la raison pour laquelle j'ai accepté avec grand plaisir de participer à cet échange avec vous à l'IDRI, c'est que moi je pense qu'on peut en effet faire beaucoup mieux collectivement. J'ai parlé des responsables politiques tout à l'heure et je rejoins ce que disait Damien Barchiche sur le fait que comparer ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe, Damien l'a dit, en Espagne, mais on pourrait aussi ajouter l'Allemagne ou la Suède dans lesquelles l'agenda 2030 en fait dépend du Premier ministre ou de la présidence de la République et pas comme en France simplement d'un ministère, le ministère de l'Environnement, ce qui a comme conséquence qu'on risque de négliger certains de ces ODD, par exemple. L'environnement n'est pas en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes, et pourtant c'est un ODD que la question du genre, donc qui s'en occupe. Bon. Donc, du côté politique, clairement, on peut faire mieux, il faut regarder ce que font les autres pays pour s'en inspirer. Et du côté société civile, de la même façon, je pense que nous devrions, et moi je compte bien m'y atteler, marteler avec beaucoup plus de force que ces ODD, c'est une boussole de valeurs qui permet de revenir à l'essentiel. Jérôme Baloge, d'ailleurs, l'a dit tout à l'heure, il disait qu'ils étaient peut-être mieux formulés que leurs prédécesseurs parce que, on a 17 points qui sont d'une grande évidence, qui, honnêtement, c'est leur grand avantage et leur grand intérêt, sont rationnellement atteignables d'ici 2030. En fait, on peut le faire. Ça demande des financements énormes, hein, on le sait bien, mais on peut le faire. En une génération, on peut changer les choses sur tous ces points absolument instrumentaux. Donc, moi, je pense que rappeler que c'est une boussole de valeur qui permet de revenir à l'essentiel, et puis dire que c'est une façon, en quelque sorte, de rationaliser des chantiers qui, sinon, paraîtraient inaccessibles. Si vous parlez comme ça de l'extrême pauvreté, enfin surtout à des gens qui n'ont pas le nez dans le guidon en permanence sur ce sujet, ça paraît impossible d'y mettre fin un jour. Moi, je peux vous dire, parce que je travaille sur ce sujet au quotidien, qu'on peut éradiquer l'extrême pauvreté, on peut éradiquer la famine, on sait le faire, on a les outils pour le faire. Simplement, c'est une question de volonté politique que de consacrer suffisamment d'argent à son aide publique au développement, à la solidarité internationale, etc. Donc, pour en revenir à votre question, nous devrions, nous, société civile, marteler beaucoup plus fort à quel point rationaliser ces chantiers les fait devenir dans notre imaginaire accessibles et donc
passer les pas qu'il faut encore passer, et notamment grâce à la mesure des avancées. Ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Mesurer les avancées, mesurer les reculs, parce qu'après tout, l'Union européenne, qui est plus avancée que nos pays sur cette appropriation des ODD, vous savez que la Commission européenne, je crois que Damien l'a dit tout à l'heure, se les est bien appropriées, ben, la Commission européenne a démontré récemment qu'on avait connu en Union européenne un recul sur les droits des femmes, par exemple, à l'aune de ces ODD. Donc, mesurer pour savoir dans quel sens aller. Merci beaucoup. Merci. On vous retrouvera tout à l'heure, mais je vais passer la parole maintenant à Pierre-Alain Raffan. Alors, en France, il y a des blocages, hein, on le voit. Éducation, action publique. On va essayer d'affiner un petit peu ce diagnostic et s'intéresser au point de déblocage. Est-ce qu'on pourrait débloquer les choses en prenant des initiatives à caractère législatif, voire en agissant sur la Constitution? Pierre-Alain Raffan, vous êtes-vous député? Et vous pensez qu'on peut agir au Parlement pour valoriser les ODD et même sur la Constitution? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'initiative que vous avez prise et avec qui vous travaillez? Enfin, quel est l'élan, en tout cas, parmi les parlementaires, parmi les députés autour de vous, pour se saisir réellement des ODD? Avec plaisir. Merci déjà de nous avoir conviés sur ce sujet ô combien essentiel. Et dont on saisit d'ailleurs très peu, et c'est l'objet justement du webinaire du jour. Alors, en effet, et pour revenir sur ce qui a été dit par Damien Barchiche, M. Baloge et la ministre Valo Belkacem, il y a des chiffres qui m'ont même un peu plus interpellé. Vous avez parlé de 44%, j'étais tombé sur une étude de Focus 2030 qui parlait de 11%, c'est-à-dire qu'il y a 11% des citoyens qui connaissent précisément justement le concept des ODD. Mm. 11% des citoyens, ça veut dire aussi peut-être 11% de leurs représentants, voire moins. Et le premier problème, et là on avait déjà discuté avec Damien Barchiche, c'est qu'un de nos premiers rôles, en tout cas, c'est aussi de sensibiliser l'ensemble des parlementaires et du milieu politique à l'importance des ODD et à l'existence aussi de l'agenda 2030, qui est parfois absolument méconnu. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la période du confinement, on a beaucoup été interpellés par des associations, des citoyens, sur le fait de devoir changer de logiciel politique. Et c'est vrai qu'il y a une phrase d'Einstein qu'on dit souvent, c'est que la folie, c'est de recommencer à chaque fois les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Et malheureusement, très souvent, c'est ce qu'on fait. Et donc, on s'est dit qu'au regard de la crise, les ODD étaient la solution. Parce qu'on y retrouve toutes les politiques qui sont abordées de manière systémique, ce qu'on fait malheureusement rarement. Et en prenant justement le prisme des ODD, on s'est dit, ben, allons entre guillemets, provoquer le système en proposant une modification de la Constitution, mais c'est une proposition, ce qu'on appelle d'appel, c'est-à-dire qu'il y a l'article 40 qui est très peu connu dans le monde civil, entre guillemets, mais c'est l'article de la Constitution qui dit qu'à partir du moment où un amendement, une loi est déposée, si elle crée une charge financière au pays, alors elle n'est même pas étudiée. Et donc, c'est ce qui donne à chaque fois un prisme, le premier tamis dans lequel on passe les lois, c'est un tamis financier. Et on s'est dit, ben, ajoutons, proposons d'ajouter un pendant humaniste, un peu plus systémique, en disant, ben, si ces amendements et ces lois mettent à risque la trajectoire justement de l'agenda 2030, alors on n'a pas à les étudier non plus. Donc ça a un peu provoqué le système. Quand je parle de système, c'est le microcosme interne, mais ce qui nous a permis en tout cas d'aborder le sujet des ODD, et on a voulu aussi engager le gouvernement sur ces sujets-là. Donc on a été une trentaine, enfin même 35 parlementaires à créer entre guillemets un petit collectif à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et ben pour faire les ambassadeurs des ODD au sein du Parlement. Donc ça, c'était vraiment le premier sujet qu'on a abordé, mais on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Ça n'est qu'une proposition, on parle du sujet. Le deuxième sujet, c'est de dire, et c'est ce que disait Madame la Ministre à l'instant, c'est que tout ce qui n'est pas mesuré, finalement, n'existe pas. Et donc, on s'est dit,
il faut qu'on travaille sur toute la chaîne. C'est-à-dire que si nous, on passe des lois, il faut qu'elles soient évaluées avec la même grille de lecture. Ces grilles de lecture de délai. Donc, on a été voir, et sur le conseil d'ailleurs de Damien Barchiche, la Cour des comptes, j'ai eu l'honneur de rencontrer la rapporteure générale Michèle Papalardo, qui en fait aussi un objectif. C'est-à-dire, elle a sensibilisé aussi l'ensemble de ses collègues aux ODD et elle a dans la tête aussi le fait de le mettre dans les grilles de lecture de toutes les analyses de politique publique, ce qui aurait une forme d'alignement cohérent dans les politiques qu'on mènerait. Et après, on a rencontré l'OCDE qui nous a aidé à avoir une ouverture un peu plus globale sur ce sujet, voir ce qui se faisait. Et d'ailleurs, ils ont un outil de mesure, hein, il s'appelle la roue des ODD, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être qu'on partagera le lien, mais c'est peut-être l'outil manquant à l'ensemble des institutions, c'est-à-dire d'avoir cet outil commun qui permettrait de partager les avancées ou les reculs, mais au moins d'avoir cet outil partagé qui pourrait servir d'ailleurs à l'Europe, aux pays, aux institutions, aux entreprises qui s'en saisissent aussi beaucoup, aux collectivités et même aux citoyens dans le quotidien. Et donc voilà, et on a rencontré aussi, enfin on va rencontrer le Trésor pour voir si on peut aussi faire de la prospective et faire de l'impact sur la trajectoire des ODD à chaque amendement ou à chaque proposition qu'on fait. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Donc on propose peut-être des modifications législatives. On propose d'avoir un alignement cohérent sur l'évaluation des politiques publiques. Et le troisième sujet, c'est qu'on a lancé aussi avec l'équipe une consultation, concertation sur le site Parlement et citoyens. Qui est encore disponible pour 15 jours, autour des 6 grands enjeux de l'agenda 2030. C'est-à-dire qu'on demande aux citoyens, aux entreprises, aux chercheurs, à qui veut d'ailleurs, de proposer et de prioriser déjà les enjeux et de nous donner des idées peut-être de politique, de propositions de loi pour améliorer justement l'atteinte de ces ODD. Donc voilà, on a essayé de travailler sur tous ces pans et au-delà de ça, on passe notre temps à faire des piqûres de rappel avec nos collègues, hein, bien sûr, parce qu'on est plus de 30 à travailler sur le sujet maintenant. Et on a interpellé forcément le président de la République, les présidents des deux chambres, pour qu'ils puissent aussi sensibiliser aux ODD, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. On a demandé aussi au Premier ministre d'avoir une évaluation de ce qui se fait ministère par ministère sur ces ODD, parce que là où vous avez absolument raison, c'est qu'il ne faut pas que ce soit coincé dans un ministère et que ce soit un interministériel, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Et puis après, on pense aussi à faire parler des ODD dans les programmes d'éducation nationale, pourquoi pas dans le service national universel, où il y aura à terme 800 000 jeunes par an qui vont y passer. Et puis, on va se pencher maintenant sur le budget qui arrivera justement à l'automne pour ce qu'on appelle un jaune budgétaire, c'est-à-dire d'avoir un état des lieux financier sur ce qui se fait et un rapport financier sur ce qui se fait sur les ODD en France. Donc voilà un peu toutes les initiatives qu'on a pu lancer ces dernières semaines et on est prêt aussi à rencontrer le plus grand nombre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc je vois que Nior est très concentré sur le sujet et ça nous intéresse d'avoir ces modèles parce qu'on doit maintenant chasser en meute et qu'il n'y ait pas de répartition. Pour moi, ce n'est pas un combat politique partisan. Ça doit se faire avec ce qu'on disait tout à l'heure, les collectivités, les entreprises, associations, ONG, citoyens. On doit vraiment aller tous ensemble dans le même sens, sinon on n'y arrivera absolument pas. Merci beaucoup. On va retrouver tout à l'heure Philippe Zawati. Je vous remercie de votre patience, Monsieur Zawati. On va vous retrouver dans un instant pour savoir si l'argent est le nerf de la guerre, comment la finance durable peut se saisir des ODD et vice-versa. Mais avant… Monsieur Raffan, je voudrais vous reposer une question. Il y a votre initiative dont vous nous avez parlé, et puis il y en a eu deux autres en ce moment à l'Assemblée nationale, d'autres groupes, d'autres sensibilités politiques qui se mettent un peu en mouvement pour que les ODD soient mieux considérés. Je résume un petit peu. Et puis, à la fin du mois de mai, le président de la République a dit « Atteindre les ODD n'a jamais été aussi difficile et aussi impératif qu'aujourd'hui ». Et vous nous avez dit que vous avez réfléchi à tout ça pendant le confinement. Est-ce qu'avec le confinement, la crise du Covid, la crise économique qu'on a encore devant nous, il y a des lignes qui sont en train de bouger en France ? Vous ressentez ça ? On le ressent et tous les jours, on se bat pour. À mon sens, c'est la seule grille de lecture qui va nous permettre de répondre aux futures crises, de pouvoir nous en sortir. Parce que, et ce que disait aussi
Damien Barchis tout à l'heure, le fait de faire de ODD par ODD en cherry picking, ça ne pourra pas fonctionner parce que la grande valeur des ODD, justement, c'est d'avoir cet aspect systémique. Donc, on sent que ça commence à bouger. On en entend un peu plus parler dans le milieu politique, dans les questions gouvernement. On voit qu'il y a des propositions qui viennent de divers groupes politiques et c'est tant mieux. D'ailleurs, et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille aussi avec tous ces groupes politiques. Hein. Il y a des groupes de travail qui sont dans chaque parti, ce qui est un peu logique. Hein. Mais dans tous les cas, on est en relation permanente avec toutes les personnes qui font ces propositions, mais pour aller dans le même sens. C'est des visions différentes, mais au moins, on met ça pour faire en sorte que les ODD soient notre boussole politique. Donc, l'étoile polaire, on l'appellera comme on le veut, mais en tout cas, que ce soit une nouvelle approche qui est indispensable pour avoir une politique durable aussi. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Philippe Zawati. Philippe Zawati, vous êtes donc le directeur général de Mirova. C'est la banque des investissements durables de Natixis. Et vous êtes président de Finance for Tomorrow, une communauté d'acteurs de différents horizons engagés évidemment sur la finance durable. Dans quel sens est-ce que ça marche? Est-ce que la finance peut décider d'utiliser les ODD? Est-ce qu'à l'inverse, ça vous éclaire? Est-ce que les ODD participent à une prise de conscience? Est-ce que les ODD peuvent cadrer les directions dans lesquelles la finance peut fonctionner? Comment vous êtes engagé et comment ça se passe? Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation. Deux mots peut-être pour dire ce qu'on fait d'abord, c'est de l'investissement responsable, l'investissement durable. Mirova est une filiale de Natixis qu'on a créée il y a 7 ans avec l'objectif d'investir en prenant en compte avec une très forte conviction les enjeux environnementaux et sociaux dans différents types d'actifs, en investissant dans des entreprises, dans des projets. Et depuis le démarrage, si vous voulez, la définition qu'on a donnée à l'investissement responsable, ça a été précisément d'investir dans le développement durable. Donc les ODD, c'est le cœur de notre grille d'analyse, en quelque sorte. On entend souvent parler de ESG, hein, de critères ESG, critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, hein, qui sont un peu le cadre général de l'analyse extra-financière, non-financière des entreprises, donc la base sur laquelle s'appuient les grands investisseurs aujourd'hui. Eh bien, nous, notre analyse ESG, elle utilise comme cadre général les ODD. Alors, pourquoi? Je dirais parce que c'est effectivement un cadre global. Et donc, quand on prend le sujet de façon générale et qu'on se dit, une entreprise, est-ce qu'elle a un comportement vertueux ou pas? On a besoin d'avoir une analyse 360 degrés, j'allais dire, de ce qu'elle fait. Et donc, les ODD offrent un cadre général. Alors, je vais le dire peut-être avec des mots un tout petit peu différents de ceux de Najat Vallaud-Belkacem tout à l'heure, qui disait c'est une grammaire commune, une boussole de valeur. Alors nous, avec nos mots financiers, on dit que c'est le business plan de la planète, mais en gros je pense que c'est à peu près la même chose. Ça veut dire pareil. Donc voilà un peu le point de départ. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, ensuite il faut ensuite un peu nuancer ces points là et quand même parler des difficultés, parce que j'ai entendu là, on a quand même beaucoup parlé de pourquoi il faut le faire, c'est super important, c'est essentiel, c'est holistique. Oui, bien sûr. Mais il faut quand même expliquer pourquoi aussi c'est difficile et pourquoi c'est un outil qui n'est pas aussi tout le temps idéal et adapté à tout ce qu'on peut faire. Alors, je ne sais pas, voilà, on a vu dans le cadre d'une collectivité locale, dans le cadre de la finance, c'est quelquefois parfois difficile. Il y a une espèce quand même de péché originel, quand même, j'allais dire, sur ces objectifs de développement durable, qui sont précisément leur complexité. C'est-à-dire qu'on arrive assez facilement à retenir 3-4 objectifs. On arrive à retenir l'accord de Paris, c'est 2 degrés et 1,5 si tout va bien. On arrive à retenir 100 milliards pour les pays en développement. Ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner et marquer dans l'opinion publique. 17 ODD qui couvrent tous les sujets, c'est extrêmement complexe. Ça, c'est le premier, je dirais, défaut d'origine, mais qui est lié un peu à l'objectif lui-même. Le deuxième défaut d'origine, enfin, défaut qu'on peut trouver aux ODD aussi, une difficulté en tout cas, c'est la facilité avec laquelle on peut faire de l'ODD washing. Et ça, on le voit de façon assez massive, notamment dans le domaine de l'investissement.
Parce que... Vous pouvez nous donner un exemple retire... bah, les exemples, c'est assez simple. Régler le problème de la faim dans le monde, Monsanto est un... Enfin, là, met les ODD... Enfin, prend le flag ODD en disant, voilà, moi, je règle le problème de la faim dans le monde parce que je vais augmenter la production grâce à mes OGM. Voilà. L'ODD qui consiste à dire il faut plus d'infrastructures, eh ben, est-ce que c'est utile de construire, j'en sais rien, moi, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes? Oui, ben, ça permet d'avoir plus d'infrastructures. Sur tout ce qui est communication, télécommunication, qu'est-ce qu'on fait de la 5G? Est-ce que, oui, ça améliore les communications partout, la fluidité des communications? Est-ce que ça pose des problèmes barrières? Donc, il y a évidemment des problématiques qui se posent à la frontière entre ces ODD qui sont assez forts. Mais non seulement des problèmes de conflit entre ODD, mais même si on en prend un donné, on voit bien que ne retenir que le titre de l'ODD permet de faire passer beaucoup de choses et de ne pas creuser réellement. Donc en fait, c'est que ce n'est pas un outil simple, mais si on veut l'utiliser et en faire quelque chose d'important, il faut accepter la complexité de cet outil. Si on n'accepte pas la complexité de cet outil, on va dans le mur. Alors, ça c'est un peu, je dirais, les points de difficulté. Alors, comment on arrive malgré tout à essayer de les résoudre, parce que c'est quand même ça un peu l'objectif. Alors, sur la partie financière, par exemple, se dire on va faire un portefeuille d'actions et d'obligations en suivant les 17 ODD aujourd'hui, si vous donnez ça à un investisseur, c'est comme une poule avec un couteau, quoi, hein. Il ne sait pas quoi en faire, quoi, objectivement, hein. Donc, on a fait un travail dès le début, il y a 4 ans, 5 ans, au tout début du lancement des ODD, avec l'Université de Cambridge, avec le Investment Leaders Group de l'Université de Cambridge. On a essayé de faire une traduction. Et donc là, on est bien dans cette idée de grammaire, en quelque sorte. On a une traduction de ces 17 ODD en des indicateurs qui pourraient être utilisés par des investisseurs. Et on a regroupé ça en 6 grandes thématiques, 3 sociales, 3 environnementales. Social, pour environnemental, pour faire simple, mais en déclinant et en essayant de montrer vraiment concrètement qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour des investisseurs. Donc ça, c'est, j'imagine, le même travail qui a dû être fait quand on veut décliner ça pour une collectivité locale ou pour un État. Mais il y a vraiment ce travail de traduction en quelque sorte à faire. Donc ça, c'est le premier élément. Puis ensuite, il y a le deuxième élément qui est la deuxième façon de voir les choses, qui est toute la dynamique de l'investissement à impact, c'est réellement faire des investissements qui vont avoir un impact spécifique sans détériorer aucun autre élément. C'est-à-dire la philosophie, hein, de la taxonomie européenne sur les actifs verts, hein, c'est-à-dire on veut avoir un élément positif sur le climat sans détériorer, donc do not harm, hein, c'est sans détériorer, sans faire de mal à d'autres objectifs. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire dans l'investissement à impact. Alors, bon, je vais vous donner juste quelques exemples. Hein. Alors, il y a un sujet sur lequel on travaille depuis quelques années qui nous passionne beaucoup, c'est l'investissement dans le capital naturel. Damien connaît bien le sujet, connaît bien ce qu'on fait. On a travaillé avec beaucoup d'organisations internationales, donc notamment l'ONU, l'UNCCD, la BEI, l'AFD, pour créer des fonds d'investissement qui travaillent sur la restauration des terres dégradées. Et donc là, on voit bien qu'en faisant ça, on arrive à avoir de l'impact spécifique sur plusieurs des sujets des ODD, le climat bien sûr, souvent les sujets liés à la conservation de la terre, à la restauration des terres, à l'océan, mais aussi des questions sociales sur les communautés, sur l'égalité homme-femme aussi, parce que c'est beaucoup des femmes qui sont impliquées dans ces cultures. Donc, on arrive à couvrir un champ large et on essaye de bien cibler là-dessus et de montrer qu'il y a un impact donné. Donc, voilà, ça, c'est important. Il faut faire aussi attention à l'utilisation. J'allais dire, il devrait y avoir un contrôle sur l'utilisation de ces petits logos ODD. Je trouve qu'ils sont utilisés à tort et à travers. Je vois les reportings d'impact qui sont faits par beaucoup d'investisseurs et de fonds d'investissement où on vient mettre 3-4 couleurs, 3-4 ODD comme ça. Ça, c'est vraiment un vrai problème parce que là aussi, on ne va pas dans la complexité. Si vous voulez, moi, j'ai vu des reportings d'impact de fonds d'investissement, par exemple, où on mesure la quantité d'eau utilisée.
c'est juste absurde. Enfin, ça n'a juste aucun sens. La quantité d'eau que vous utilisez en Norvège et celle que vous utilisez dans le Sahel, elle n'a pas la même valeur, elle ne vaut pas la même chose. Et donc, ce genre d'indicateur simpliste, je pense, font beaucoup de mal aussi à l'utilisation et à la vision qu'on a des ODD. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur la partie financière. Merci beaucoup. Alors, vous nous expliquez en quelque sorte que les indicateurs pour investisseurs sur lesquels vous travaillez là donc doivent aider les investisseurs à accepter la complexité et le caractère un peu systémique des ODD, hein, tous les risques d'ODD washing que vous avez souligné. L'AFD a décidé, qui est une banque de développement, elle a décidé qu'elle était 100% agenda 2030. Qu'est-ce que ça signifierait pour une banque d'investissement d'être aussi 100% agenda 2030, 100% ODD? Est-ce que ça pourrait passer justement par ces indicateurs sur lesquels vous avez travaillé? Oui, alors bon, les 100%, bon, c'est très bien. Je sais pas. Nous, on est 100% investissement responsable. Donc, de fait, moi, je considère qu'on est 100% ODD parce que, enfin, c'est le cœur de l'analyse. Je vous ai partagé la philosophie d'analyse de Mirova et la façon dont on décline les ODD dans chaque secteur, dans chaque industrie. On est 100% de degré aussi. On mesure la température de nos portefeuilles et on fait en sorte que tous nos portefeuilles soient cohérents avec la trajectoire de degrés. Voilà, je crois que dire qu'on est 100%, c'est aussi peut-être que ça signifie ça signifie accepter que c'est quelque chose de global et que donc on n'est pas on peut pas être à moitié, enfin moi je l'interprète comme ça, on peut pas être à moitié ODD. Hein, voilà, on est ODD ou on l'est pas. Quoi. Je veux dire, on voit cette globalité ou on l'est pas. On n'est pas ODD 13 et ODD 17. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'ouvre maintenant un petit peu aux questions de notre salle virtuelle. Merci beaucoup pour les questions que vous nous posez. Oui, pardon. Pardon, Brigitte, je suis désolée, j'essayais d'attirer votre attention, mais je voulais juste poser une question à Philippe Zawatib, s'il veut bien, parce que en fait, j'aimerais savoir s'il a des données plus actualisées que les miennes, parce que moi, ce que j'avais retenu, c'est que les entreprises, en effet, ce n'était pas forcément beaucoup plus approprié les ODD que les citoyens ou que les institutions. Et je me souviens notamment d'une étude qui avait été réalisée, je crois, par le cabinet Novetic, qui montrait que seules les entreprises qui avaient des chiffres d'affaires de plus d'un milliard d'euros, faisaient vraiment référence à ces ODD, et qui étaient d'ailleurs aussi un peu critiques sur le fait que souvent, c'était, enfin, comme vous venez de le dire, hein, davantage pour valoriser leur RSE que pour réorienter véritablement leur activité. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez une vision peut-être plus actualisée et est-ce que vous avez des exemples d'entreprises pour lesquelles ça a vraiment servi, cette référence aux ODD, à réorienter leur activité? Alors, des entreprises qui parlent d'ODD, il n'y en a pas beaucoup, hein, à vrai dire. Alors, il y a pas mal d'entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui parlent de climat, ça, il n'y a pas de débat. On commence à avoir, là, ces derniers, je trouve, un mouvement assez intéressant sur les questions de nature et de biodiversité, même si on est très, 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 très loin du compte. Hein, mais on commence à avoir, je trouve, des initiatives d'entreprises sur les sujets de nature et de biodiversité qui sont intéressantes. Je pense à la coalition au P2B qui a été lancée par Danone avec une trentaine d'entreprises sur l'agriculture régénérative. Et donc, je trouve que là, il y a des choses qui commencent à se passer. Il y a Act for Nature aussi avec EPE. Donc, mais on est quand même ciblé sur des domaines. Des entreprises qui parlent d'ODD au sens large, c'est vrai que c'est assez rare. Mais de façon générale, de toute façon, voilà, les entreprises je peux vous répondre plus facilement sur la finance, si vous voulez, sur le pourcentage des financiers qui réellement prennent en compte les critères ESG au sens large, ça reste relativement marginal aussi. Ou plus exactement, ça s'est fortement déployé, ça a fortement augmenté, mais la signification qu'on donne à cela reste très, très vague, très floue. Et là, d'ailleurs, Novetic avait fait, puisque vous faites référence à Novetic, avait fait une analyse il y a pas très longtemps, il y a 2 ans,
sur les fonds dits ISR, dits ESG, donc les fonds qui se disent responsables. Et en faisant l'analyse, en essayant de comparer la composition de ces fonds, ce qui est réellement investi dans ces fonds, avec l'indice de référence, le CAC 40, si vous voulez, enfin, le marché dans son ensemble. Et ils ont abouti à la conclusion qu'il y avait très peu de différence, hein, relativement peu de différence. Et donc, Novetic avait décidé de créer une sous-catégorie qu'ils appelaient l'investissement responsable de conviction, en se disant quels sont les gérants qui vraiment font des vrais choix. Alors, sans même juger de la pertinence de choix, est-ce qu'il faut mettre du nucléaire ou pas, etc. Mais déjà, au moins, est-ce qu'ils font des vrais choix qui tiennent compte de ces éléments de développement durable. Et je crois qu'ils étaient arrivés à un chiffre de l'ordre de 3 à 4% des fonds qui eux-mêmes se disaient responsables. Hein, c'est-à-dire même pas 3 à 4% de l'ensemble des fonds, c'est 3 à 4% des fonds qui se disaient responsables. Donc, vous voyez, donc on a d'abord un premier élément, c'est réussir à passer ce cap-là, puis ensuite réellement aller vers de la forte conviction. Donc on est voilà, ça progresse, mais ça progresse beaucoup trop lentement, ça c'est certain. Merci beaucoup. J'ai regardé, comme vous sans doute aussi, les questions que notre salle virtuelle nous pose. Merci beaucoup à tous pour vos questions intéressantes. Je vais essayer d'en prendre une dans un champ, d'en prendre plusieurs, pardon, autour d'un champ qui nous interroge sur la façon dont les citoyens peuvent s'approprier les ODD, notamment les plus jeunes d'entre eux. Est-ce qu'il faudrait avoir une action particulière en direction de la jeunesse? Est-ce que ça doit passer par l'école, par l'éducation nationale? Comment est-ce qu'on peut le faire au niveau territorial? Peut-être que Jérôme Ballonge, vous aurez des pistes à nous donner. Et cette question, elle prend sa pertinence au moment où il y a eu la convention citoyenne, évidemment, pour le climat. Et Damien, peut-être que tu sauras répondre à cette question. L'une des personnes nous demande, est-ce que la convention citoyenne qui vient de rendre ses 149 propositions au gouvernement, Emmanuel Macron, dimanche dernier, est-ce qu'elle a eu à connaître des ODD? Est-ce qu'elle s'est penchée sur cette question? D'abord sur l'éducation nationale, sur la jeunesse et sur les citoyens. Peut-être, Jérôme Balloge, comment vous voyez les choses, vous qui avez travaillé à l'échelle de la ville et de l'agglo de Niort? Il est clair que l'éducation est un enjeu de développement durable en soi. Et donc, ça fait partie des objectifs qu'on a cernés. Maintenant, l'association des plus jeunes, on le voit en matière environnementale, elle est toujours très positive. Ça commence par les plus jeunes générations. Il y a une sensibilité des parents déjà de cette génération, mais leurs propres enfants sont très réceptifs à tous ces enjeux-là. Donc, nous, on a beaucoup investi par le périscolaire, qui est la porte d'entrée des collectivités locales, pour proposer en effet des modules ou des thématiques qui sensibilisent à un certain nombre d'objectifs des ODD. Voilà. Maintenant, il est clair que l'enjeu des ODD aujourd'hui, c'est aussi un problème de communication. On en parle, on commence à en parler, on en parle de plus en plus à Niort, mais un ODD, le développement durable en général, c'est une notion qui est pour beaucoup de nos concitoyens n'est peut-être pas aussi étendue qu'elle paraît. Et c'est vrai qu'on parlait des enjeux d'État, il est important aussi qu'au niveau national, on se mobilise et on affiche des objectifs ODD, que l'on voit ces objectifs un peu partout pour que bien ça infuse et diffuse. On y arrive au niveau local, mais ce serait bien en effet qu'on retrouve un peu le chaînon national. Donc aujourd'hui, pour revenir à votre question, oui, c'est par le périscolaire qu'on travaille cette question-là principalement, en plus des enjeux de santé et d'éducation qui sont liés à l'éducation. Madame Vallaud-Belkacem, est-ce que je peux vous poser la même question? Oui, enfin, je pense qu'on dira tous la même chose. C'est absolument évident, d'une part, que, comme le disait d'ailleurs l'un des auditeurs qui posait une question, c'est plus facile de construire un enfant fort que de réparer un adulte cassé. Ça vaut absolument sur tous les sujets. Donc, évidemment que la prévention ou, en l'occurrence, la sensibilisation très tôt sur des sujets comme cela sont ce qu'il y a de plus efficace. On peut le faire, d'ailleurs, aussi bien dans le cadre scolaire et dans le curriculum scolaire que dans le cadre périscolaire ou de l'éducation populaire qu'il ne faut jamais oublier, qui fait aussi partie de l'éducation, finalement, des jeunes. Moi, je dirais que plutôt que... pour reprendre le cadre scolaire, parce que j'imagine que vous m'interrogez davantage là-dessus, plutôt que de dire qu'il faut une éducation aux ODD en tant que telle dans le programme scolaire, parce que
quand vous êtes ministre de l'Éducation, vous êtes bien placé pour savoir que sur tous les sujets, on va vouloir rajouter une éducation à quelque chose et puis que vous avez des disciplines et que vous avez un temps contraint. Donc, la question, peut-être qu'il faut la prendre de façon plus élargie. Par exemple, en l'associant à une autre question qui se pose souvent, c'est faut-il une éducation à l'Union européenne des enfants pour qu'ils comprennent mieux les enjeux européens ? En fait, si je devais résumer, je dirais qu'il faut une plus forte éducation à nos interdépendances, ce qui permettra aux élèves de toucher du doigt aussi bien les questions de solidarité européenne que les questions de solidarité internationale. Et les éduquer à cette interdépendance permet de toucher, encore une fois, vraiment des doigts ce qui est notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'autre bout du monde nous affecte directement. Regardez sur le Covid-19, si on n'arrive pas à fournir un vaccin accessible à tout le monde, s'il reste des malades du Covid-19 dans les pays les plus pauvres, ça nous reviendra parce que la maladie se retransmettra et que le virus traverse les frontières. A contrario, les désordres que nous pouvons provoquer, nous, dans nos pays du Nord, et notamment par une forme de boulimie productiviste, ont des effets sur le changement climatique dans des pays et sur des populations du Sud qui n'ont même pas tiré profit de ces surconsommations. Donc, cette interdépendance permanente de nos sociétés et de notre monde, je pense que ça mériterait en effet qu'y soient consacrés des chapitres dans les programmes scolaires plus importants que ce qui existe aujourd'hui. Et c'est en partant de cette solidarité, de cette interdépendance, qu'on arrive évidemment à quels sont nos objectifs mondiaux communs et donc aux ODD. Merci beaucoup. Monsieur Raffan, maintenant une question pour vous, si vous le voulez bien. Vous nous avez expliqué une initiative que vous avez prise pour que les ODD soient un véritable filtre et que les projets de loi, les propositions de loi non ODD compatibles ne soient pas étudiées. Et on a une question qui s'adresse à vous. Est-ce que la rédaction de votre projet d'inscrire cette disposition dans la Constitution n'est pas extrémiste ? Est-ce qu'elle ne va pas faire peur ? Est-ce que ça ne va pas, à l'inverse, bloquer des parlementaires contre les ODD ? Qu'est-ce que vous voudriez répondre à ça ? Si c'est extrémiste, sûrement, mais c'est ce qui a permis de faire parler du sujet en interne. C'est vrai que quand on l'aborde comme ça, et si toutefois on aborde ce sujet dans une future réforme constitutionnelle, ce sera sûrement écrit autrement. L'essentiel, c'était de faire parler du sujet dans un premier temps. Mais on va en parler de manière différente à différents moments. S'il y a réforme constitutionnelle, on le fera. Ça n'a pas forcément fait peur en interne, puisqu'il y a eu 35 députés qui sont immédiatement rapprochés à l'initiative. Après, il y a des approches aussi peut-être plus positives, qui se présentent sous forme de résolution à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, voilà, notre grand état d'esprit maintenant est de l'aborder. C'est la proposition qui est sortie hier ou avant-hier de ma collègue Eina Curic, qui s'était associée déjà à notre proposition de loi. C'est une autre vision, mais qu'on soutiendra absolument, vu que ça va dans le sens, désolé, mais après, l'idée, c'est de, entre guillemets, ne jamais lâcher le biftec sur ce sujet, en mettant une tension dans les analyses budgétaires, parce que c'est le sujet du budget aussi qui compte énormément, dans ce que je disais tout à l'heure sur l'évaluation des politiques publiques et dans l'approche de nos lois. Et dans l'approche de nos lois, ce qui manque aussi comme outil, au-delà de l'indicateur commun, et je vous ai mis le lien d'ailleurs de la roue des ODD là dans la conversation, c'est de dire, est-ce qu'on a maintenant un outil à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui nous permet d'évaluer l'impact des propositions sur l'agenda 2030? Et ça nous manque, il faut qu'on le développe, il faut qu'on travaille avec le maximum de personnes, mais plus on va se renforcer dans ces outils, plus on aura ce prisme et cette approche dans l'analyse et dans les propositions de loi. Merci beaucoup. Une question qui nous fait changer de continent. Il est 15h46, je me permets de poser cette question qui nous interroge sur le financement des PME en Afrique et particulièrement dans le secteur de agro, acteurs essentiels dans le développement de la production locale, qui ont des difficultés à trouver des finances. Alors, c'est peut-être une question pour Philippe Zawati. Les banques sont financées par des fonds ESG, par des banques de développement qui ont des obligations ODD. Comment peut-on faire pour que ces fonds de financement financent effectivement et concrètement les entreprises qui en ont besoin? Et si on ne les finance pas,
est-ce qu'on ne fait pas de l'anti-ODD ? Oui, alors, il y a un vrai problème de financement pour les structures dans les pays émergents, il faut bien le voir. Enfin, clairement, il y a un manque de transfert de financement vers les pays en développement qui est massif, y compris pour des sujets, y compris pour des... comment dire, pour des investissements qui sont que les investisseurs recherchent fortement. Prenons les infrastructures, par exemple. Prenons les infrastructures d'énergie renouvelable. La plupart des grands investisseurs institutionnels, les fonds de pension, compagnies d'assurance, etc., qui ont des objectifs de verdissement hein, de leur portefeuille, ont cherché à investir dans les énergies renouvelables. Et donc, ont des objectifs assez forts d'augmentation de leurs investissements dans les énergies renouvelables. Simplement, ils cherchent tous la même chose, c'est-à-dire le maximum de sécurité. Et donc, ils vont investir principalement dans des technologies matures dans les pays en développement. Donc, pour réussir à réellement réallouer de l'argent vers de l'innovation et des pays en développement, c'est extrêmement difficile. Alors, une des solutions qu'on a essayé de développer avec d'autres, c'est ce qu'on appelle la finance mixte, blended finance en anglais, qui consiste à combiner argent public et argent privé. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir d'un côté des agences de développement qui font des subventions ou qui investissent tout seuls dans des pays en développement et d'un autre côté des investisseurs privés qui ne le font pas du tout, eh bien, l'idée c'est de combiner les deux, c'est-à-dire d'avoir de l'argent public qui vient dérisquer des investissements pour attirer de l'investissement privé. Donc, c'est ce qu'on a fait sur, notamment sur le fonds de restauration des terres avec un mix de environ 20-25% d'argent public et 70-80% d'argent privé. Donc l'argent public vient de quoi ? Vient de d'État, hein, de gouvernement, par exemple le gouvernement anglais, le gouvernement luxembourgeois, vient d'agences de développement comme l'agence l'AFD, en l'occurrence, qui a été citée tout à l'heure, la BEI, d'autres agences de développement. Et cet argent public vient prendre les premiers risques, c'est-à-dire, on va dire, je vais, s'il y a des pertes importantes, je vais être le premier à prendre des pertes. Et donc, du coup, les investisseurs privés vont venir derrière parce que leur appréhension du risque va être un peu plus faible. Alors évidemment, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas de l'effet d'aubaine pour les investisseurs privés et donc venir dérisquer des choses dans lesquelles il n'y a pas de risque, parce que là, à ce moment-là, on viendrait simplement subventionner des investisseurs privés qui n'en ont pas besoin. Mais en revanche, si c'est sur des éléments qui sont effectivement risqués, dans des pays complexes, des pays où on a des difficultés à comprendre les structures juridiques, à accéder à des due diligence qui soient claires, etc., alors là, on a un effet qui est intéressant parce qu'on va pouvoir faire un effet de multiplicateur, c'est-à-dire un effet de levier à l'argent public. Merci beaucoup. Écoutez, il reste à peu près une dizaine de... Attendez, si je ferme mon micro, ça ne va pas être très efficace. Il reste une dizaine de minutes pour notre webinaire et je vous propose de vous poser une question un peu conclusive. À tous les quatre et même à tous les cinq, je vais inclure Damien Barchiche dans cette question. Vous avez chacun, avec vos initiatives et dans vos secteurs très précis, ONG, finance, dans votre territoire, au Parlement, chacun, vous avez identifié des pistes. Si vous preniez un petit peu plus de recul et que vous vous disiez aujourd'hui, en France, il reste des blocages et il y en a quand même un majeur sur lequel il faudrait agir ou des pistes d'action au-delà de votre propre champ sur lesquelles on pourrait agir, quels seraient-ils ? Et je me permets de poser la question d'abord à Damien Barchiche de l'IDRI. Je ne sais pas si je dois te dire merci, Brigitte. Non. Ouais, merci. Moi, sur ce sujet, je voudrais rajouter un point de complexité, en fait, parce que finalement, mettre en œuvre l'agenda, c'est aussi se poser des questions. Et on a dit que c'était complexe, et du coup, on n'a pas forcément toujours les réponses, mais il faut qu'au moins qu'on essaye de trouver, qu'on les cherche, en fait, ces réponses. Et je pense aussi, pour faire écho aussi à ce que mentionnait Philippe Zawati sur la question
dans les pays en développement émergent. On a aussi une autre complexité qui se pose à nous, c'est en fait, on doit trouver des réponses pour mettre en œuvre l'agenda 2030 en France, mais aussi ne pas nuire à la mise en œuvre de l'agenda 2030 dans les autres pays. Et du coup, je voudrais ouvrir aussi la conclusion avec une autre piste de réflexion. Le président de la République a mentionné qu'on ne signerait pas, a priori, en l'état, l'accord UE-Mercosur. La Commission européenne lance aussi une réflexion sur, finalement, à quoi doivent servir et comment on doit repenser les accords commerciaux. Et c'est aussi un très bon sujet qui met sur la table, finalement, c'est quels sont les modèles, quels sont les échanges qu'on veut construire avec d'autres régions du monde pour finalement pouvoir faire avancer collectivement ces objectifs de développement durable en Europe, parce qu'on a aussi besoin de les faire progresser en Europe, mais sans nuire ou voire en pouvant stimuler des dynamiques positives avec les autres régions du monde. Je pense que c'est aussi un point qui est fondamental, et même dans la réflexion, qu'elle soit législative et l'analyse des lois et des politiques publiques qu'on va devoir mettre en place, c'est une dimension qui sera aussi à prendre en compte dans le futur. Merci beaucoup, Damien. Je pose la même question à Pierre-Alain Raffan, député, et j'ajoute pour vous, comment est-ce qu'on parle dans l'oreille du président de la République ? En s'approchant tout près de lui. Non, mais c'est une de nos missions. Et pour tout vous avouer, on essaie de l'agacer sans l'énerver. C'est un peu le sujet politique, mais on rappelle très régulièrement l'importance du portage politique, mais pas que du portage, du pilotage politique sur le sujet des ODD, et comment finalement créer, alors déjà techniquement, cet outil partagé qui permet d'avoir une cohérence politique hein, sur toutes les strates. Hein. On parlait parce que très souvent, ce qui se passe à l'ONU reste à l'ONU, et c'est bien le problème de la méconnaissance des ODD dans le système politique français et après aux citoyens. Donc, pour développer cette culture, il faut lutter contre cette méconnaissance. Et là, tout le monde y participe. On voit les collectivités, les entreprises s'en saisissent. Il y a l'écosystème des associations ONG. Il y a forcément l'IDRI, l'association CADD, l'IX, l'IRES, Coordination Sud, Comité 21. Voilà, tout le monde s'y met. Et développer cette culture après au plus près des citoyens, parce que ce sont les citoyens qui feront aussi, qui pourront mettre une pression permanente sur le système politique. Donc, c'est une vraie question. Et pour l'instant, nous, on compte absolument sur le président de la République pour sortir l'agenda 2030 du ministère de la Transition écologique et sociale pour en faire un objet, un pilotage interministériel. Parce qu'il faut que ces ODD soient la partition et avec un chef d'orchestre. Et pas, même si l'agenda 2030 fait un très bon travail, mais il faut donner un degré supplémentaire en cohérence avec tous les acteurs pour pouvoir chasser en mieux sur le sujet. Et ça, vous pouvez compter sur nous, sur notre détermination pour souffler à l'oreille du président de la République l'importance et la priorité de ce sujet, et que ce soit pour la France ou pour le reste du monde. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser exactement la même question à Philippe Zawati et vous demander aussi, M. Zawati, comment on parle dans l'oreille du président de la République ? Non, on a bien vu la candidature de Pierre-Alain au poste de secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des ODD. Je l'apprends, mais ça va me poser des problèmes. Hein. Tu me poses des problèmes avec les collègues après. je pense que faire avancer les ODD et faire avancer la finance responsable, pour moi, ce sont deux objectifs qui sont similaires. Et je voudrais peut-être juste rebondir sur ce qu'a dit Pierre-Alain justement à l'instant sur les citoyens. Parce qu'on a une des principales questions pour moi qui se pose aujourd'hui au niveau de la finance durable, c'est précisément qu'il y a une déconnexion totale avec les citoyens et notamment avec les citoyens épargnants. Puisqu'on parle beaucoup souvent des citoyens consommateurs, on parle assez rarement des citoyens épargnants. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le système de l'épargne s'est construit sur une déresponsabilisation totale de la part de l'épargnant final. C'est-à-dire qu'on a, d'une certaine façon, construit le schéma aujourd'hui de l'épargne, comme si on avait eu pour l'objectif de faire en sorte que l'épargnant ne donne jamais son avis.
Et ça, c'est quand même assez… Il n'y a pas d'industrie aujourd'hui qui, dans laquelle le consommateur a aussi peu de pouvoir que dans le secteur de l'épargne. Je ne dis pas le secteur financier au sens large, mais le secteur de l'épargne. Et d'ailleurs, alors, probablement parce que c'est considéré comme trop complexe qu'on n'arrive pas à l'appréhender. Je donne quelques exemples. Si vous prenez les grandes associations de consommateurs, les UFC, Que Choisir, 60 millions, etc., il y a très peu de choses sur l'épargne. Quand elle s'intéresse au système bancaire, elle s'intéresse aux frais de compte, aux frais de virement, etc. Très rarement à la façon dont l'argent des épargnants est géré et est-ce qu'on donne réellement le choix aux épargnants. De la même façon, la Convention citoyenne qui vient de rendre son rapport est passée complètement à côté de ce sujet. Elle a traité des sujets de consommation, elle n'a pas traité de sujets d'épargne. Elle dit par exemple qu'il faut un score carbone pour l'ensemble des produits de consommation. On pourrait imaginer d'avoir exactement la même chose, un score carbone, ou pourquoi pas un score ODD, puisqu'on parle ici d'ODD, pour l'ensemble des produits d'épargne. C'est-à-dire donner de la transparence pour donner du pouvoir de choix aux épargnants. Merci beaucoup. Jérôme Baloge, est-ce qu'on va imaginer un grand séminaire mondial entre Los Angeles et New York pour embarquer les autres dans une dynamique positive? Évidemment, c'est une boutade, mais en même temps, comment est-ce que vous imaginez que les choses puissent se débloquer, s'il y a encore des blocages, pour que les initiatives que vous prenez à New York puissent être reproductibles? Ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite embarquer les autres collectivités territoriales, au moins celles de même taille. Je pense que des agglomérations de la taille de New York, des villes moyennes, sont un cadre assez exceptionnel pour agir et pour faire avancer les ODD. On a besoin d'être plus nombreux pour avoir aussi cette émulation qui est saine dans la réalisation d'objectifs qui sont plus importants, plus élevés, nationaux, européens et mondiaux. Donc oui, il est très important que d'autres collectivités embarquent dans ce mouvement. Je pense qu'on ne restera pas seul longtemps et c'est tant mieux. Il y en a quand même aussi d'autres déjà qui sont dans la course. Mais voilà, c'est une course où il s'agit d'arriver tous ensemble sur la ligne. Je prolonge également pour dire qu'il y a tout un enjeu de coopération décentralisée aussi dans ce domaine-là. Et les collectivités territoriales ont un rôle important. On a un jumelage avec Atakpamé au Togo, qui est déjà depuis longtemps très orienté sur des enjeux environnementaux et finalement ODD, sur la question de l'assainissement, sur la question de l'eau potable en général, sur la question de l'éducation, etc., etc., avec une vraie démarche qui est validée aussi par le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est vrai qu'on a aussi notre rôle et notre capacité de relayer les ODD à une échelle plus large quand ce n'est pas forcément toujours intégré comme ça. Donc voilà, il y a en fait la possibilité d'une éclosion multiple. La dynamique est lancée, elle doit évidemment se développer et elle entraîne des effets en domino qui sont évidemment très sains et multiplicateurs. Eh bien, je vais en profiter pour vous faire part d'une idée, peut-être une piste qui est évoquée dans la salle, puisque chaque territoire est particulier. Une personne dans la salle nous suggère, si elle n'existe pas, la création d'une plateforme pour qu'on échange sur ces solutions et qu'on puisse en démultiplier l'impact. Il n'y a pas encore de plateforme d'échange? Je crois que c'est en train d'être créé, notamment en lien avec le comité 21, si je ne m'abuse, et puis à l'échelle locale aussi, pour favoriser la participation sur la réalisation des ODD au niveau local. Voilà. Très bien, et bien voilà une piste. Madame Vallaud-Belkacem, qu'est-ce que vous verriez comme point de blocage en prenant un petit peu plus de champ que simplement avec l'ONG One, avec tout votre parcours et votre connaissance fine évidemment des dynamiques politiques notamment? Quel dernier point de blocage verriez-vous lever et comment le faire? D'abord, je pense que dans l'ordre, je pense qu'il faut relayer les bonnes lectures. Et donc, par exemple, relayer les travaux de l'IDRI, relayer les travaux d'un cabinet comme Focus 2030 qu'évoquait Pierre-Alain Raffan tout à l'heure et qui fait aussi de très beaux travaux qui ont démontré, par exemple, j'avais beaucoup aimé cette étude, à quel point les ODD étaient peu appropriés par les différents ministères et notamment les grands ministères quand on regardait leur communication sur le web. Ça laissait vraiment à désirer. Donc, bon, allez voir un peu ce que fait Focus 2030, en parler.
Ensuite, se saisir des moments législatifs. Alors, le député Pierre-Alain Affront a pas mal évoqué de choses. On pourrait y rajouter cette loi sur le développement, pardon, la loi sur le développement qui devrait passer au Parlement. J'aimerais beaucoup qu'il nous confirme, il doit avoir plus d'informations que nous, si elle passera bien au mois d'octobre ou de novembre. Damien, si tu sais ça? Ce sera à l'automne. Hein. Voilà, donc vous confirmez que ce sera bien avant la fin de l'année 2020? Ok, donc une loi sur le développement qui soit ambitieuse, parce qu'en fait, on voit bien que si on veut atteindre ces ODD, il faut quand même de la solidarité internationale, on l'a dit, et il faut entraîner l'opinion publique avec soi là-dessus, et donc ne pas la laisser se convaincre, cette opinion publique, que notamment la crise du Covid qu'on vient de vivre doit nous entraîner à du repli sur nous-mêmes, à faire des frontières, des gestes barrières, à se croire protégés parce qu'on se désintéresse des autres. Donc, il faut une loi sur le développement ambitieuse. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il faut qu'on se parle davantage. J'ai l'impression que M. Zaouati nous a quittés, mais j'ai trouvé que son propos était vraiment très intéressant sur la question des investisseurs et de la finance, et qu'en fait, on devrait avoir plus en effet de cercles ou de plateformes dans lesquelles on échange entre politiques, ONG, investisseurs, parce que de temps en temps, on est confronté à des sujets qu'on ne sait pas résoudre de chacun de notre côté parce que ce n'est pas notre spécialité. Par exemple, je vous en donne un exemple pour que ce soit clair. Pour avoir beaucoup plaidé, ah ben il est de retour Philippe Zaouati, mais pour avoir beaucoup plaidé, œuvré ces dernières semaines, mois, pour que soient allégées les dettes des pays les plus pauvres, l'avoir fait auprès des créanciers publics, c'est-à-dire des pays du G20, maintenant des créanciers multilatéraux, Banque mondiale, FMI, OK, ça, on sait faire, c'est dans nos cordes, une ONG comme la nôtre, et on obtient des résultats et on en est heureux. Mais on est beaucoup plus démunis quand il s'agit d'aller voir les créanciers privés, les investisseurs privés, pour leur demander le même effort. Ils n'obéissent pas aux mêmes règles. Voilà. En écoutant Philippe Zaouati, je me disais, mais en fait, c'est dommage, parce que finalement, peut-être qu'on devrait se servir de cet objectif des ODD pour dire à certains créanciers privés que voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on attend d'eux. Et il faudrait trouver une façon de le dire, de l'exiger, de l'imposer. Voilà, je pense que c'est dans ce type d'intelligence collective, quand on vient de mondes différents, qu'on trouverait des solutions à des choses sur lesquelles on bute parfois. Merci beaucoup. D'une certaine façon, ça commence aujourd'hui. Voilà, peut-être un petit début de dialogue. En tout cas, merci beaucoup. Il est 16h04, on va mettre un terme à ce webinaire. Merci. Je voudrais remercier tous les participants, la salle qui était nombreuse, puisqu'on était près de 150. Et donc, on dit parfois que les ODD sont un sujet complexe. Eh bien, tant mieux que cette complexité puisse être comprise et qu'elle intéresse. C'est ce que nous a montré votre participation nombreuse. Le replay sera disponible bientôt sur le site de l'IDRI. Merci beaucoup à chacun d'entre vous et très bonne journée à vous. Et je mets fin à cette réunion. Merci.